beaucoup de l'Afrique, mais surtout des pays où se déroulent les crises politiques. On parle beaucoup moins de ceux où tout se passe normalement. Voilà pourquoi on parle si peu de la République du Niger. Ce vaste territoire s'étend du fleuve Niger, dont il a pris le nom, jusqu'au lac Tchad. Empiétant largement sur les déserts sahariens, à la limite de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire, de la vie nomade et de la vie sédentaire. Sans déboucher sur la mer, très pauvre en ressources naturelles, cette ancienne colonie française est aujourd'hui indépendante. Des populations diverses y sont réparties, dont les principales sont les Touaregs, les Peuls, les Djerma, les Haoussa. Dans quelques minutes, je vais atterrir au beau milieu des fêtes anniversaires de la République du Niger. À quoi dois-je m'attendre? Qu'est-ce que l'Afrique? Qu'est-ce que le Niger? Que peut-on dire d'un pays exotique où l'on débarque pour la première fois, dans l'intention d'en surprendre les secrets? Je n'ai pas le temps de me poser ces questions. La chaleur, la lumière, le mouvement, la musique, la vitalité, le sourire, je m'abandonne d'emblée à ce torrent d'impressions fortes et je le laisse m'emporter. L'Afrique est passée de l'enfance à l'âge adulte avec une rapidité telle que le monde en fut étonné. Mais la France n'a pas été prise au dépourvu par cette évolution fulgurante qui vint au contraire donner raison en dernier ressort aux plus humanistes des pays colonisateurs. En quelques années, le Niger est passé sans heurts par toutes les phases de la décolonisation, tout en conservant avec l'ancienne métropole des liens étroits et amicaux sur le plan politique, culturel et économique. À la tête du gouvernement se trouve un homme dont la sagesse et la finesse d'esprit en font un des meilleurs représentants de la nouvelle élite africaine. Monsieur Amani Diori fut un des pionniers du Rassemblement démocratique africain par lequel se réalisa le grand mouvement de décolonisation de toute l'Afrique occidentale française. Mais ça n'empêche pas que dans tout le pays, on voit encore à leur poste des administrateurs français mettant à la disposition des jeunes cadres africains leur expérience de l'administration du pays. Notre objectif est d'arriver à harmoniser l'évolution des couches traditionnelles avec le Niger moderne. C'est ainsi que, à côté de ces problèmes internes, propres au Niger, nous pourrons facilement aborder les problèmes externes,
problème intéressant, l'évolution générale du continent africain, et je puis dire même l'évolution générale du monde, de tous les pays sous-développés. Problèmes et politiques qui ont une importance particulière en Afrique où les passions sont parfois beaucoup plus fortes, beaucoup plus violentes, on peut dire, que dans le reste du monde. 20 décembre, départ à l'aube, direction nord. Harmoniser les couches traditionnelles avec le Niger moderne, m'avait dit le président. Qu'avais-je d'autre à faire que de partir et d'aller me rendre compte personnellement de quoi il s'agissait? Après plusieurs jours de voyage, nous voyons cette maigre végétation s'amenuiser pour mourir enfin parmi ces éruptions rocheuses au milieu d'une immensité de terre rouge. Le rouge nigérien nous poursuit jusqu'au cœur de ces petites villes du nord, austères et mystérieuses, dont les murs sont de banco. On dissout la terre dans l'eau. Séchée par le soleil, cette boue devient dure comme du béton. Tel est le banco, matériau presque idéal. De cette terre malléable, une architecture a jailli, dont un chef-d'œuvre est la mosquée d'Agadez, qui laisse saillir sa charpente de bois. Ici, même les minarets ont des épines. Le banco n'a qu'un inconvénient. Lorsque viennent mai et juin, les maisons risquent de fondre sous les pluies torrentielles. Chaque année, il faut refaire le banco. Et parfois, on en profite pour ajouter quelques signes extérieurs de richesse. Agadez nous a ouvert la porte du Sahara. Notre petit convoi, bien approvisionné en vivres, en eau et en essence, relié au monde par une antenne, peut rouler en toute confiance vers les plus profondes solitudes. Mission cinéma appelle Agadez. Stop. Position Azel. Coucheron Azlik. Stop. Joyeux Noël. Stop et fin. Décembre, soleil vertical. J'ai chaud, j'ai soif. Maintenant, nous serpentons à travers les montagnes du massif de l'Aïr, faisant entière confiance pour la direction à notre guide couvert de voiles qui se perche sur les rochers comme un oiseau pour faire le point. 26 décembre, on dirait qu'on roule sur place. On a repéré un point sur la carte qui porte le nom d'Ina Ben Garit. On espère un village, un peu d'ombre, un peu de vie. Voilà tout ce qu'on trouve. Un puits presque à sec et, littéralement, trois pelés et deux tondus. Et voilà ce vers quoi il faut repartir. Vers exactement rien. Aujourd'hui encore, les traces de pneus sont recoupées par les caravanes, convoyeuses ancestrales de thé, de sel et autres denrées, entre les ports méditerranéens et les villes lointaines de la boucle du Niger. Les caravaniers, ce sont les Touaregs, de race blanche, de type berbère, derniers adversaires de la conquête, personnages terribles et magnifiques des romans de la Légion étrangère, aristocrates, guerriers redoutables qui pendant des siècles vécurent de pillage. Le mot « razzia » est un de leurs cadeaux à la langue française. Pourquoi se cache-t-il derrière le litam,
ce voile teinté d'indigo qui les a fait surnommer les hommes bleus du désert? Est-ce pour se protéger du vent, du sable et du soleil? C'est indéniable. Est-ce pour effrayer l'ennemi et n'en être pas reconnu? C'est fort probable. Est-ce pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer par le nez ou par la bouche? C'est ce qu'ils disent. Le Touareg est essentiellement nomade. Pour lui, la fixité est impensable. Son fief, c'est l'infini du désert qu'il parcourt sans cesse, portant avec lui tous ses biens, y compris son gîte, qui est une tente de peau ou de nattes tressées. C'est pourquoi son existence est liée à celle du chameau, dont l'endurance est légendaire et la sobriété telle qu'il sait se repaître des feuilles minuscules entre les épines acérées des arbres de la brousse. Ces grands seigneurs abandonnent les viles tâches de la vie quotidienne à leurs esclaves noirs, descendants d'anciens prisonniers de guerre. Totalement assimilés, ces derniers ont perdu jusqu'au souvenir de leur ethnie d'origine et parlent la langue touareg. On en voit même qui ont la peau un peu trop claire et l'œil bridé du touareg. Aussi, le mot esclave nous semble-t-il un peu fort pour désigner cette caste résignée et consentante et dont l'asservissement aujourd'hui n'est plus guère qu'une tradition. Fait à noter, chez les Touaregs, c'est la femme qui va le visage découvert, tandis que l'homme, lui, est voilé. La femme touareg est d'une grande beauté. Mais, phénomène extrêmement rare, elle est dans la société l'égale de l'homme et souvent même, elle rivalise d'autorité avec lui. C'est par la mère et non le père que se transmettent les héritages. Société matriarcale, nous n'en sommes pas loin. C'est tout au moins du féminisme avant la lettre. Les enfants Touareg ont de drôles de coiffures et ils n'aiment pas l'école parce que leurs pères leur ont dit que l'école était mauvaise. Les maîtres souvent sont des noirs et que pourraient apprendre d'un noir les enfants Touareg, fils de nobles et clairs de peau? Le recrutement scolaire doit parfois se faire de force et l'on voit des mères se jeter sous les roues de la voiture qui emporte leur fils. Et qu'en disent les enfants? À l'école, ils sont heureux et chez eux, ils ont l'école en horreur. Parmi toutes les surprises rapportées de notre périple, une des plus belles fut peut-être ce mode archaïque d'irrigation que nous sommes allés découvrir au fond du pays touareg. Un réseau de canaux divise le jardin en damiers. Au passage, l'eau est déviée vers un carré au moyen d'un petit butoir de terre. Quand ce carré est plein, on referme la porte, puis on libère le canal pour acheminer l'eau vers le carré voisin. Jusqu'en Andalousie, on retrouve cette technique de notre âge, souvenir intact du grand mouvement des invasions arabes. Ces quelques brins de luzerne, fertilisés par la patience,
m'ont édifié, mais moins peut-être que quelques pains de sel rouge qui me furent offerts pour la nouvelle année à Ingal, ce premier jour de janvier. Après un détour par le Moyen-Âge, me voici projeté dans ce paysage lunaire, vision futuriste des explorations séléniennes. Dans les salines que voici, on extrait le sel de la terre. Les cuvettes creusées de main d'homme sont remplies d'eau et après des évaporations successives, on gratte les cristaux sur la paroi. Quelle économie le Touareg peut-il espérer de ses petites industries lorsque déjà le flot noir du pétrole inonde le désert et en change la face, lorsque le camion et l'avion rendent sans objet les migrations nomades, lorsque les esclaves s'affranchissent, s'instruisent et commandent au maître, les conjonctures sont impitoyables. Le Touareg est condamné à se laisser assimiler ou à disparaître. Janvier. Je me savais au pays des Peuls, que je reconnais aussitôt à leur allure hiératique, avec leurs chapeaux de paille et leurs bâtons de berger. Ils sont venus de l'Est il y a plusieurs siècles, mais leur origine véritable reste entourée de mystères. Envahisseurs, diplomates plutôt que guerriers, ils propagèrent l'islam. Bergers dans l'âme, ils refusent de rien posséder d'autre que leurs bœufs à grandes cornes en forme de lyre. Ces bêtes quasi sacrées sont leur raison de vivre. Chaque année, après la saison des pluies, les Peuls font une grande fête pour célébrer l'abondance éphémère de leur pâturage. Des quatre points de l'horizon, on les voit arriver des villages voisins. Les femmes feront la nourriture, une bouillie de mil mélangée de lait. Aujourd'hui, comme chaque jour, on traie les vaches pour se nourrir. Aujourd'hui, on capture une vache pour l'abattre et la manger, mais ça n'est pas comme tous les jours. Ça n'est pas non plus pour festoyer, mais pour sacrifier à un rite annuel. Le clou de la fête est la danse. Les hommes sont très versés dans l'art du maquillage, surtout chez la tribu des Bororo. Les mœurs des Peuls sont impénétrables, leurs croyances ésotériques. Mais on sait que pour le Peul, la plus grande qualité morale, c'est l'orgueil. Les femmes attendent la danse. Elles seront juges et désigneront l'homme de leur choix. Ce sont des hommes que vous voyez qui, après avoir rivalisé de courage pendant toute l'année, veulent aujourd'hui rivaliser de beauté. C'est à celui qui saura le mieux exorbiter ses prunelles et faire miroiter la perfection de ses dents. Oh!
La fête est terminée. Les peuls se dispersent de nouveau. Dès lors, les pâturages iront s'amenuisant. Les troupeaux recommenceront à maigrir et les hommes se remettront à leur unique labeur, abreuver les troupeaux. Car ici, le meilleur de l'énergie humaine se dépense à la très primitive tâche de se pourvoir en eau. Le régime des pluies est sujet à des caprices imprévisibles. C'est dire que depuis des millénaires, les Nigériens sont résignés à passer d'une année à l'autre de l'abondance à la famine. De longue date, ils ont repéré les mouvements des nappes souterraines, mais le Niger ne sera pas un pays moderne tant que ne sera pas résolu ce problème géant, l'irrigation industrielle de tout le territoire. Et comme pour exacerber cette obsession, là où il n'y a pas d'eau, les mirages vous en montrent. Le ciel, se reflétant sur des couches d'air surchauffées, crée des lacs, des rivages, des îles. L'eau polarise les populations. Elle régit les mouvements migratoires. Ici, tout ce qui vit n'a qu'un seul point de ralliement, le point d'eau. Là où elle surgit en abondance, elle crée l'oasis qui n'est rien d'autre qu'une île d'eau dans une mer de sable. Oasis, petit univers paisible, mais clos. Fin janvier. J'ai voyagé depuis plusieurs semaines. Qu'ai-je vu ? Des déserts, des civilisations croulantes, orgueilleuses, réfractaires, une soif endémique, des cités refermées sur elles-mêmes. Est-ce donc cela le Niger ? Non, heureusement. Le Niger, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Abondant et grandiose, le fleuve Niger n'arrose qu'une infime partie du pays qui pourtant porte son nom. Mais c'est naturellement sur ses bords animés que la vie s'est réfugiée. Voie navigable par excellence, très poissonneux, il voit son cours jalonné de villages de pêcheurs. Ici, les gens sont noirs, sauf pour le rire qui est d'une blancheur éclatante. Aux abords de ce grand fleuve fécond, des populations nombreuses, mues par les grands courants migratoires, se sont rencontrées et souvent mélangées pour former des complexes ethniques dont les deux plus importants sont le groupe Haoussa et le groupe Djerma. Oh,
Le groupe Haoussa, originaire de la Nigeria ex-britannique, s'est métissé de diverses races noires, de Touareg, de Peul et d'Arabes. Commerçants ambulants habiles et actifs, les Haoussa sont colporteurs de produits de toutes sortes et de courants culturels. Les Djerma, branche de la grande famille Songhai, également mélangée de Touareg et de Peul, ont fondé sur le fleuve un grand empire dont l'apogée culmina au 15e et 16e siècle. Ils vivent encore en société fortement hiérarchisée, qui n'est pas sans rappeler étrangement ce que fut notre société européenne médiévale. Dans les rues de la ville, nous sommes sollicités par les tambours du Manéoré. Manéoré est un mot djerma qui veut dire exactement « la fête de la Grèce ». Elle a lieu tous les ans, pendant la saison sèche. Les femmes d'un quartier se sont réunies pour danser et comparer leur embonpoint. Ce concours de danse, de beauté et d'élégance verra triompher celle qui est aussi la plus grosse et qui, dès lors, pourra proclamer « Mon mari a récolté plus que le vôtre, c'est moi la mieux nourrie, c'est moi la plus heureuse ». C'est en somme un rite de la fertilité et de la prospérité. Les griots sont les musiciens publics qui vont de ville en ville, de village en village, de place en place. Ils surviennent à la moindre occasion et se produisent pour quelques sous. S'ils se mettent à chanter vos louanges, n'allez surtout pas vous esquiver. Il faut sur le champ donner cadeau. C'est un métier très lucratif. Maintenant, l'émission coranique. Partez! A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-haqqatu mal-haqqa. Kulu washrabu hani'an bima aslawtum fi layyamil khaliya. À travers le monde musulman, depuis des siècles, l'appel à la prière retentit plusieurs fois par jour du haut des minarets, par la bouche des muezzins. Au-dessus de mosquées qui n'existent pas, se dressent aujourd'hui des minarets qui portent plus loin encore le chant sacré. Si les minarets ont changé de forme, l'islam reste immuable, et fidèle à lui-même. Nous sommes près de la mosquée. C'est vendredi. Il est bientôt 2 heures de l'après-midi
l'heure de la grande prière hebdomadaire en commun. Voici d'abord les mendiants, dont l'état n'est pas aussi misérable qu'il peut en paraître, puisque pour les musulmans, l'aumône est une obligation. Puis les porteurs d'eau, car on ne peut adorer Allah si on n'a pas au préalable procédé aux ablutions rituelles. Le Niger est un des premiers pays d'Afrique noire où l'islam fut implanté dès le XIe siècle par les envahisseurs venus du Nord. C'est une des rares religions, avec le christianisme, à proclamer l'existence d'un Dieu unique. Allah est au-dessus des races, des castes et des frontières. Il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'Omniscient. Mohammed fut le plus grand de tous les prophètes, le dernier en date et le dernier dans l'éternité, celui qui a clos l'ère de la prophétie. Allah s'est révélé à lui directement et Mohammed a transcrit cette révélation dans un livre sacré, le Coran, qui, pour le musulman, est à la fois la Bible, les deux testaments, son livre d'histoire, son bréviaire de morale et son code juridique. C'est le livre unique qu'il médite toute sa vie et qui lui suffit amplement. L'homme n'est pas à l'image de Dieu, il est seulement le serviteur d'Allah, son esclave. Il lui doit obéissance passive, soumission totale. Le musulman ne cherche pas à infléchir le destin. Dieu y pourvoira, dit-il. C'est sous l'empire de cette résignation collective que chaque vendredi, à 2 h de l'après-midi, tous les musulmans du monde, où qu'ils soient, s'inclinent vers le même point géographique, la Mecque, où a jailli la parole même de Dieu. Mais en Afrique noire, l'islam ne fait souvent que recouvrir une autre religion plus ancienne, la vieille religion de l'homme africain, aux prises avec les difficultés de l'existence au sein d'une nature hostile. La religion de l'inexplicable et de l'inexpliqué. Cette religion, c'est l'animisme. Pour les hommes de l'ouest du Niger, le monde invisible côtoie et démarque le monde visible. Le mythe se mêle à la réalité quotidienne. Les rites animistes se déroulent publiquement, en plein jour, sans aucun secret, dans une atmosphère de kermesse autant que de cérémonie religieuse. À tour de rôle, des individus émergeront de la foule pour se livrer à la frénésie libératrice de la danse. Certains d'entre eux finiront par atteindre un état de transe qui anéantira provisoirement leur personnalité et leur fera prendre aux yeux de la communauté la figure d'un symbole. C'est la crise de possession. Ces deux femmes sont en train de subir la cérémonie d'initiation. Pour la première fois, elles sont possédées par leur génie personnel. Chaque chose aussi a son esprit, son génie. Que ce soit l'objet quotidien, que ce soit l'eau, l'arbre, ou bien les bêtes. L'âme des anciens ne meurt pas et conditionne la vie des vivants. Toutes ces âmes forment le réseau des forces occultes auxquelles chacun est soumis. D'où le nom d'animisme. Oh!
Mais voici qu'après plusieurs heures de danse et de réjouissance, la possession s'annonce. Le danseur que voici sera touché par l'esprit. Tant que jouera le sortilège, cet homme ne s'appartiendra pas puisqu'il est possédé par Dongo qui agira par son corps et s'exprimera par sa bouche. Dongo est habillé de noir car c'est sa couleur. Il se promène parmi la foule pour annoncer sa venue. Il agite une hache à clochette qui est le symbole de l'orage. Le fer de la hache représente la foudre et la clochette, le bruit du tonnerre. Dongo montre son œil, cela veut dire « vous me voyez ». Il serre la main de ceux qui l'approchent pour les saluer, parce qu'il ne peut pas encore parler. C'est en lui lavant la figure qu'on lui ouvre la bouche. Pour cela, on utilise une eau sacrée avec laquelle on lave également la tête, les bras et les pieds. Et voilà qu'on sort de la case le vase sacré, le hampi, qui symbolise le ciel. L'eau qu'il contient symbolise la pluie. On le posera sur un support à trois branches avec la hachette. Ainsi seront maîtrisées les grandes puissances du ciel, puissances bénéfiques qui répandent les pluies nécessaires aux récoltes, puissances maléfiques qui lancent les feux de la foudre. C'est là l'instant le plus significatif de toute la cérémonie. Les hommes auront enfin posé le ciel sur la terre. Les hommes communiquent directement et complètement avec leur Dieu qui viennent rassurer les hommes et les soulager des maux de la terre. Mais il arrive à présent que ces maux trouvent d'autres remèdes et que les Noirs s'adonnent à la médecine des Blancs. Je suis Damourezika, agent technique de la santé, en service à la pharmacie de l'hôpital de Niamey. Lorsqu'il y aura à Niamey une faculté de médecine, il y aura des médecins nigériens. Pour l'instant, certains Nigériens reçoivent un enseignement qui leur permet d'assumer des responsabilités qui sont à mi-chemin entre celles de l'infirmier et celles du médecin. Ce sont les agents techniques de santé. Ben, mon travail au service de santé, comme tous les infirmiers, c'est de soigner les malades, suivant la prescription des malades, du médecin. Mais à l'heure actuelle, le Niger a fait un gros progrès, c'est-à-dire chaque année, plus de 30 élèves sortent comme infirmiers et on les affecte dans les postes de brousse où ils ont leurs responsabilités eux-mêmes pour soigner les malades. Alors c'est en partant de là que je suis nommé agent technique. Agent technique, c'est le plus haut cadre des infirmiers qui peut exister d'ailleurs, qui... Il n'y a pas d'autre. Après,
Je ne crois pas si on va me bombarder au médecin parce que je n'ai pas le diplôme possible. Le père de Damourezika était chef de village et prêtre animiste. Lui-même est musulman. Il a reçu une éducation technique avancée. Acteur et témoin de la grande renaissance africaine, il se trouve au carrefour de toutes les influences qui se disputent l'Afrique. C'est à lui de les concilier toutes et de les intégrer dans sa vie et son travail. Sans parler de l'engagement politique que lui impose son émancipation. C'est bien boulé cette femme-là. Ces perspectives ne troublent pas Damourezika. En tout cas, elles n'affectent en rien cette chaleur humaine et cet humour communicatif, particulier à l'âme noire et qui, dans les grands débats, sont des armes redoutables. À midi, après le travail, je prends mon bonnet, mes lunettes et tranquillement, je rentre chez moi à pied. Je ne suis pas chauffeur, je ne sais pas monter bien à bicyclette, alors donc je suis sûr qu'en marchant à pied, je partirai tranquillement chez moi sans faire des accidents. Le quartier où j'habite, ben, c'est le quartier Gawé. En dehors de mon travail d'infirmier, je suis secrétaire du parti RDA de ce quartier. Vous savez, le rôle d'un secrétaire, c'est à moi de recevoir toutes les petites plaintes, c'est à moi de faire les lettres et souvent même d'intervenir pour des histoires entre familles. Vous savez que je suis musulman et que la religion veut que les musulmans aient 4 femmes. Alors moi, je suis un bon musulman. Alors j'ai 4 femmes. Par coïncidence, enfin, je ne l'ai pas fait exprès, mes 4 femmes ont les mêmes noms. Elles se nomment toutes Aïssa. Bon, je suis obligé maintenant avec une diplomatie, car vous savez, la polygamie, c'est la diplomatie, de trouver des surnoms à toutes les femmes pour ne pas les confondre. Elles n'ont pas besoin de se présenter devant mon nez si je dis Aïssa. Chacune connaît son nom. Et je suis actuellement père de 9 enfants. Il est impossible de faire la sieste. La preuve, vous voyez, maintenant on commence à faire du tam-tam. Le tam-tam, c'est des vieux tonneaux qu'on prend avec des pierres, on tape, on chante. Qu'est-ce que vous voulez, je ne peux rien dire. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de jeunes gens et beaucoup de jeunes filles qui sont contre moi parce que j'ai 4 femmes et que ça ne doit pas se faire. Voici la vie que je mène au Niger, moitié africaine, moitié évoluée, et voilà. Ces Nigériens d'aujourd'hui sont-ils à la mesure de leur mission? Il faut qu'ils le soient et qu'ils en soient persuadés. À cette fin, l'Institut français d'Afrique noire a fait reconstituer sur ses terrains de Niamey un village nigérien. On a également érigé un musée. Et à la surprise générale, on a vu s'y engouffrer journellement des centaines de Nigériens qui venaient voir exposer derrière des vitrines
les objets de leur vie quotidienne. La beauté et la noblesse de ces objets leur est soudain révélée, et cette euphorie n'est rien d'autre en somme que la joie de la dignité retrouvée. Évidemment assez obscure, mais elle peut nous montrer parfaitement ce qu'est la situation d'un philosophe de l'intuition. C'est un homme qui renonce à ses sens, qui renonce encore plus à utiliser sa raison. Il y a une petite phrase d'Héraclite qui est plus simple. Il ne serait pas bon pour les hommes que tous leurs vœux soient accomplis. Ce mot d'Héraclite à propos de l'homme dans la nuit, évidemment, et la définition même de l'intuition. Parce que l'intuition se présente à l'homme comme quelque chose de, une connaissance qui saisit directement son intervention de la raison. Il ne serait pas bon pour les hommes que tous leurs vœux soient accomplis. Évidemment, les vœux des hommes sont en quelque sorte aussi divers que la diversité de leur race et par conséquent de leurs sentiments. Et si tous ces vœux étaient accomplis, vous voyez, ce serait l'anarchie, quoi. Il y a un autre mot d'Héraclite qui est très beau. J'ai été en quête de moi-même. Je suis comme un homme qui marche sur un chemin et ne sait pas où mène la route. Mais ces jeunes savent bien où les mène le chemin qu'ils ont choisi. Le Niger est avide d'apprendre. À l'université populaire, les cours sont gratuits et les professeurs bénévoles. Les Noirs côtoient les Blancs à la tribune aussi bien que sur les bancs de la classe. Dans ce pays, les mots ségrégation et discrimination sont dépourvus de sens. La pilote ôte le sang avec le vent. La pilote ôte le sang avec le vent. On dit qu'elle vanne de toi. Mais il y a beaucoup à faire. Alors on se dépêche. Avant de pouvoir construire toutes les écoles indispensables, on enseigne sous des paillotes, on enseigne dans la rue. On achète des marchandises avec de l'argent. On achète des marchandises avec de l'argent. Voilà les deux défis que le Niger doit relever. Éducation, économie. Le Niger est au tournant de son histoire. En partant de sa culture et de ses traditions, il doit sortir de son passé, il doit apprendre, il doit construire. Le Niger vivra si dès demain, il résonne de ses bruits. Hello, hello, this is New York calling Niamey. Monsieur Mamadou Maïga, docteur en médecine. Monsieur Mustapha Mouzoural, premier prix du cinéma. Félicitations. Mmh.
Ce premier pont, jeté sur le fleuve, c'est une voie de plus ouverte sur les réalités d'aujourd'hui. Le Nigérien qui n'a jamais vu d'édifice moderne dit que c'est plusieurs maisons assises les unes sur les autres. Il peut s'y sentir un peu perdu, mais il faudra qu'il sache se retrouver, tôt ou tard, dans des dédales plus compliqués encore. Mais pour l'instant, laissons-le se livrer à son ébahissement et à la frénésie de sa liberté toute neuve. Les anciennes dominations se sont évanouies. C'est le début d'une ère nouvelle. Mais la liberté, c'est aussi la responsabilité. Nigérien, la parole est à vous. Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs, que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Allez mes enfants, vous êtes libres maintenant. Moi, j'ai été là-bas, je connais ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais tu es quand même têtu. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Têtu, tu n'as pas raison. Moi, j'ai raison. Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais comment, je suis pas un bête. Non, je regrette. Mais non, il faut pas. Mais c'est que tu as dit là-bas, c'est déjà passé. Bon, sois raisonnable. Mets-toi à ma place. Eh ben, entre à la maison. C'est fini maintenant.